La ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, en présence du ministre Nguessan Koffi, de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, a présidé ce mercredi 27 décembre 2023 la cérémonie officielle de lancement du concours régionalisé du CAFOP. Cette cérémonie, qui s'inscrit dans la dynamique de mise en œuvre des conclusions des EGENA, avait pour objectif la présentation de la réforme du recrutement régionalisé des enseignants dans l'enseignement public, préscolaire et primaire, afin de répondre durablement aux besoins nouveaux liés aux mutations constantes de l'environnement social de la Côte d'Ivoire. Les candidats au concours CAFOP pourront utiliser les documents habituels d'inscription qui restent inchangés, s'inscrire dans une DRENA, puis composer pour un poste du district ou de la région de leur choix selon la cartographie des postes budgétaires publiée par voie de presse et suivra ensuite la formation pour une durée de 3 ans dans le CAFOP rattaché au district ou à la région choisie lors de l'inscription. Pour la ministre Maria Tokoné, le recrutement régionalisé est bénéfique pour les enfants, les enseignants et les parents. Le recrutement régionalisé, c'est bon pour les enfants, c'est bon pour les enseignants, c'est bon pour les parents et c'est bon pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Notre objectif principal, c'est de donner envie aux enfants d'aller à l'école. Notre objectif, c'est également de donner envie aux enseignants d'enseigner. Les gains attendus du recrutement régionalisé sont multiples, à savoir améliorer l'efficacité du processus d'allocation des ressources enseignantes, améliorer à travers des critères objectifs la normalisation de la projection des besoins en ressources enseignantes, mettre au profit des régions des compétences et des ressources enseignantes durables, réduire les inégalités dans la répartition des enseignants. La mesure principale de la réforme consistera à s'assurer que l'enseignant du préscolaire et du primaire recruté pour une région précise demeurera en fonction pendant 10 années consécutives à partir de sa première prise de service.